Après avoir exploré l'étendue des pouvoirs du personnage le plus iconique de la série, je vous propose cette fois-ci de retourner dans un monde aussi épique qu'excentrique, celui de JoJo's Bizarre Adventure. Et cette fois-ci en revient fort, avec probablement le stand le plus répugnant de cet univers, Purple Ace. Un stand hyper imprévisible et au pouvoir de destruction effrayant. Sa technique, créer un virus mortel qui dévorera la chair de sa victime jusqu'aux os pour lui donner une fin aussi douloureuse que choquante. En ne faisant aucune distinction parmi ses victimes, personne, pas même son possesseur, ne peut se croire à l'abri. Bien qu'une brume aussi mortelle puisse paraître complètement fictive, je vous propose de découvrir ce qui dans notre monde s'en rapprocherait le plus. Et vous verrez que la science et les maladies peuvent s'avérer tout aussi flippantes. Une vapeur aussi destructrice pourrait-elle exister dans la réalité? Qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce virus dans notre monde? Et sont-ils aussi mortels que ceux de ce stand? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Purple Ace, le virus mangeur de chair. En vrai, c'est possible? Majid sur la poire fondue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti! Stand de Panacota Fugo, stratège du gang Giorno Giovanna. Lui-même descendant de la famille Jojo et de Dio. Purple Ace possède un pouvoir si terrifiant que même son utilisateur ne l'utilise que rarement. Et pour cause, lorsque Purple Ace déchaîne ses coups, une des trois petites ampoules situées sur ses poings relâche un puissant virus, mangeur de chair qui condamnera toute personne se situant dans un rayon de 5 mètres. À la seconde où l'on entre en contact avec ce virus, on est alors infecté et il se multipliera dans le corps de sa victime à une vitesse telle qu'il ne faut pas plus de 30 secondes pour qu'il achève son travail en faisant pourrir de l'intérieur sa victime, la transformant en véritable gelée. Ce virus est si puissant qu'il attaque vraiment tout, allié comme ennemi, allant même jusqu'à son propre utilisateur, comme on l'apprend dans ce Weekly Shonen Jump. Plutôt un comble avec un nom pareil de risquer de finir en gelée. Heureusement, le virus a quelques points faibles. Exposé à la lumière, il meurt rapidement, ce qui explique sa faible portée de 5 mètres. En plus de ça, et grâce à la magie des animés, il est possible d'y survivre avec les bons anticorps, comme le montre Giorno avec un serpent brique. Créer ce serpent dans le rayon d'action du virus, lui a doté des bons anticorps pour s'en protéger et que Giorno a pu ensuite s'injecter pour s'en servir comme antidote. Un serpent brique. Dans notre monde des serpents briques, c'est pas pour demain, il va falloir vite identifier ce gaz si on veut trouver un antidote. Et quand on voit à l'action, on penserait presque à une sorte de véritable insecticide pour humain tellement qu'il agit vite. Et il y a bien quelque chose qui pourrait être tout aussi dangereux. Les agents neurotoxiques comme le gaz sarin. L'une des armes chimiques les plus mortelles qui soit. Inodore et incolore, l'exposition au sarin peut entraîner la mort en quelques minutes et seuls 1 à 10 ml de sarin sur la peau peuvent être fatales. On a là une véritable arme de destruction massive qui a été créée par hasard pendant la recherche de nouveaux pesticides. Manger bio, ça change quoi? Ce gaz est très volatile sous forme de vapeur ou d'aérosol et peut facilement se libérer dans l'air en intérieur comme en extérieur et contaminer les réserves d'eau, de nourriture et même les produits agricoles. Il peut même survivre dans l'environnement entre quelques semaines à quelques mois. Le sarin peut alors être absorbé par le corps par inhalation ou ingestion, mais aussi par contact avec la peau ou les yeux. Une fois en contact avec le sang, le sarin provoque alors des symptômes comme le nez douloureux et enflé, une sécrétion surabondante de salive, des difficultés respiratoires, des pupilles contractées, des nausées, des vomissements, de l'incontinence, une perte de conscience et enfin des convulsions avant la mort par suffocation suite à la paralysie du système respiratoire. Ces effets peuvent survenir en quelques secondes ou quelques minutes en fonction de l'exposition, tandis que la mort survient 1 à 10 minutes après contact avec une dose létale. Les effets du sarin sont tels que si une victime ne reçoit pas rapidement des soins, elle gardera des séquelles neurologiques sur le long terme. Inutile de dire que c'est un peu démesuré comme pesticide, à moins que vous ne croisiez les insectes de Terraform Mars. Là, ça pourrait le faire. On l'aura compris, le sarin est certes mortel, mais loin d'égaler ce psychopathe de Purple Ace, qui en plus inflige des dégâts traumatisants pour sa victime comme Illuso, lorsque sa peau semble bouillir et cloquer sous les effets de ce virus. Mais d'ailleurs, est-ce vraiment un virus? Pour bien comprendre de quoi on parle, un petit rappel de vos cours d'SVT sur les virus s'impose. Les virus sont des entités microscopiques qui contiennent soit de l'ADN, soit de l'ARN dans leur noyau. Ce noyau est recouvert d'une enveloppe protectrice faite de protéines, enveloppe qu'on appelle capside. Cette capside est elle-même protégée par des sortes de pointes et qui permettent au virus de venir s'accrocher aux cellules avant d'y pénétrer pour se multiplier. Voilà donc le secret de quelques-uns des virus les plus mortels de notre histoire, comme la grippe aviaire, Ebola, le sida ou encore le coronavirus. Et pourtant, le taux de mortalité de celui de Purple Ace ferait passer chacun de ces virus pour un vulgaire petit rhume avec son taux de mortalité. 100%. Aujourd'hui, un des seuls virus à pouvoir concurrencer ce résultat est la rage. Et si vous avez regardé cette vidéo, alors vous savez à quel point elle est redoutable.
Ce terrible virus, généralement transmis par morsure ou griffure, tue dans presque 100% des cas après apparition des symptômes si la personne n'est pas prise en charge directement. À ce jour, environ 10 personnes seulement présentant des symptômes ont survécu pour pouvoir en parler. En revanche, même si le taux de mortalité est celui qui se rapproche le plus de l'effroyable Purple Haze, le temps d'incubation, c'est-à-dire le temps entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes, est bien supérieur, allant de 30 à 45 jours, sans parler du fait que les symptômes sont complètement différents. Pour rappel, la contamination au virus de Purple Haze est instantanée après contact avec son nuage toxique et la mort surgit en à peine 30 secondes, et ce, dans 100% des cas. Donc, soit ce virus est totalement fictif, soit on regardait dans la mauvaise direction depuis le début. Et si ce stand n'avait pas un virus, mais une bactérie? Et vous allez comprendre pourquoi on joue dans une toute autre catégorie. Première différence, la taille. Là où une bactérie mesure en moyenne 2 micromètres, un virus, quant à lui, mesure entre 18 nanomètres et 1,5 micromètres. Ensuite, la plupart des virus causent des maladies, tandis que seuls 1% des bactéries sont nocives, puisque la plupart d'entre elles sont même nécessaires pour notre digestion des aliments. Mais ne vous fiez pas aux apparences, parce que parmi ces 1% de bactéries nocives se cachent des choses tout aussi terrifiantes que Purple Haze. Et où les symptômes auraient même le pouvoir de démonétiser cette vidéo en un clin d'œil. La fasciite nécrosante, aka la bactérie mangeuse de chair. Le plus flippant de cette histoire, cette infection est causée entre autres par une bactérie très commune que nous avons tous dans la bouche et la gorge, le streptocoque de type A. En atteignant les tissus sous-cutanés, elle va se propager le long des tissus qui recouvrent les muscles et se répand très rapidement avec environ 3 cm par heure, et peut provoquer la mort en 12 à 24 heures seulement. Et bien qu'on l'appelle la bactérie mangeuse de chair ou bactérie carnivore, en réalité, c'est les toxines qu'elle lâche qui détruisent les tissus, créant des symptômes comme une décoloration de la peau, des rougeurs, des cloques, voire des sensations de crépitement sous la peau, sans parler des très vives douleurs. Mais je vous rassure, ce n'est pas pour autant que vous allez finir comme ce pauvre illuso. Le taux de mortalité est entre 20 et 30%, mais les personnes en bonne santé et dont le système immunitaire fonctionne normalement ne tombent que très très rarement malades. 3 à 7 personnes sur 1 million chaque année. Alors pas la peine de vous gargariser au gel hydroalcoolique. Et si par malheur vous avez tiré le gros lot et que vous faites partie de ces 3 à 7 personnes, rassurez-vous, il existe un traitement. Alors ce sera pas un serpent brique, mais plutôt un puissant traitement à base d'antibiotiques ainsi que des opérations qui devront être pratiquées le plus tôt possible afin de retirer, voire d'amputer, les parties du corps nécrosées pour stopper l'infection. Et ce, le plus vite possible afin d'éviter que les organes vitaux ne lâchent, épuisés de lutter contre une bactérie si puissante et rapide. Ce qui au final rappelle justement comment Illuso n'a pas hésité à se couper la main pour stopper l'infection de Purple Haze. Mais n'ayez crainte, dans notre monde, Purple Haze n'est pas prêt de pointer le bout de son nez. Et pour éviter cette bactérie carnivore, il vous faudra nettoyer correctement vos blessures et ne surtout pas sucer votre sang comme certains le font. Sérieux, ça vient d'où ça? Purple Haze est sans doute un des pires personnages que j'ai eu à traiter sur cette chaîne. Et le seul autre qui pourrait le concurrencer au jeu d'infliger la pire mort à son adversaire est sans doute Reptile dans Mortal Kombat, capable de complètement dissoudre ses ennemis et que je vous invite à regarder dès maintenant si vous en avez le courage. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances.